faut qu'on puisse l'utiliser pour faire mieux connaître et donc développer toute l'économie sous toutes ses formes qu'il y a sur ce territoire, avec les actions quand même menées par le parc naturel régional, parce que vous le savez, la région est très attachée à la politique menée par les PNR, parce que nous sommes complètement dans le développement que nous voulons, c'est-à-dire partir des ressources locales, de savoir les valoriser pour pouvoir avoir, bien sûr, un développement durable, c'est-à-dire avec une création d'emplois économiques, avec une insertion aussi de l'ensemble des personnes, et avec une gestion raisonnée de l'environnement et des ressources. Donc je pense que là, comme vous l'a présenté Monsieur le Président de Coval d'Or, d'avoir une fonction de vitrine de connaissances et de développement touristique, que ce soit aussi bien sur les actions menées par le PNR que sur les actions artisanat d'art, je pense que vraiment, il y a une bonne localisation, il y a une bâtisse qui a une âme,